au point de lui faire une cuirasse électromagnétique. Mais voici vos amis. Waouh ! Ces automates ! Werner ! Ma commère ! C'est moi, Mortimer ! Inutile de crier ! Vous n'avez aucune importance pour eux. Salut, mon très puissant, très sage et très savant docteur Septimus. Tes très misérables serviteurs te supplient humblement de leur pardonner. Vénérable maître. Dites votre crime. Nous avons osé dans notre incommensurable orgueil et notre insondable ignorance injurier, bafoué, insulté et outragé ton rayonnant génie. Nous repentons. Oui, nous repentons. Nous repentons. Oui, nous repentons. C'est bon, allez retrouver Gilead Pic, allez! Verdet, Macamber, Septimus, qu'en avez-vous fait? Mes esclaves! Comme vous, Mortimer! Vous allez devenir mon esclave! Vous entendez? Mon esclave! Mais vous êtes complètement fous! Quoi? Vous osez? Misérable! Je vous réduirai à néant, en fumée! Voyez, cette sphère de cuivre au plafond, elle peut libérer assez d'énergie pour vous pulvériser en une seconde. Il me suffit d'appuyer sur un bouton. Mesdames, messieurs, voici un communiqué. On recherche le professeur Philippe Mortimer. Nous répétons, le professeur Philippe Mortimer. Vous entendez, Black? Notre appel est brouillé. Oui, tant mieux, peut-être. Allô? Allô, la BBC? Ici le capitaine Black. Oui, justement, tâchez de repérer d'où vient le brouillage. Parfait. Allô, Londres. Ici la marque jaune. Ce Mortimer qu'on recherche est entre mes mains et a été condamné par moi à la peine capitale. Il sera exécuté à minuit. Oh, le monstre! Il s'est perdu, Kendall, par orgueil! Nous allons connaître approximativement la position de l'émetteur clandestin. Ensuite, en fouillant le quartier, maison par maison... Ah, Kendall! Ah, vous voilà, Black. Toujours rien, hélas. Et il est minuit moins 20. On visite bien toutes les maisons? Oui, sauf quelques exceptions, bien sûr, pour gagner du temps. Ainsi, à Tavistock Square, nous ne sommes pas entrés chez Septimus. Évidemment. Voilà, monsieur. Ah, on vous cherche, Kendall. Tiens, c'est le sergent qui avait pris Mortimer à bord de sa voiture. Ah, vous êtes là, capitaine. J'ai retrouvé le livre. Le livre du docteur Wade? Oui, tenez, nous avons fait un arrêt si brusque. Il s'était coincé sous un siège. Attendez. Une dédicace? Oh, Kendall! Voyez, c'est l'écriture de Septimus. Septimus? Mais oui, je comprends tout, c'est lui le monstre. Allez, venez! Quelque chose me revient, Black. Pendant la guerre, Septimus avait fait construire un véritable blocos sous sa maison pour y héberger les blessés. Mais oui, c'est là sûrement que nos amis sont enfermés. Toutes les voitures, convergez immédiatement vers Tavistock Square! Eh bien, je t'avais dit d'aller chercher le prisonnier. Maître, le prisonnier a fait tomber Guinée à Pic. Comment? Il était endormi par mon gaz lénifiant. Je l'ai vu. Non, maître, le prisonnier se semble endormir. Il avait bouché les trous d'arrivée du gaz avec de la vie de pain. Ah, le chien! Le pain que je lui avais donné. Mais il faut le rattraper. Il peut détruire mes appareils. Il peut... En effet, Mortimer, en essayant de fuir, a fait sauter le télécéphaloscope. Guinea Pig se trouve libéré de l'emprise de Septimus. Il se rue sur lui, un fouet à la main. Avec cela, tu oses... Recule! Recule! Recule encore! Non! Pitié, Guinea Pig! Encore! Sous la boule de cuir! Non! Je t'en supplie! Guinea Pig, non! Pitié! Et tandis que la police fait irruption... Mortimer, vous êtes vivant? Ah, mon vieux Black! Et vous, Kendall? Où est Septimus? Mort, anéanti par ses appareils. Et l'autre, la marque jaune? Il a fui par les égouts. Vite, sergent, avec vos hommes à sa poursuite. Vous, Harris, téléphonez au Yard, qu'on fasse garder toutes les sorties. Oui, chef. Il faut absolument le rattraper ou tout est à refaire. Non, Kendall, ne craignez rien. Ce n'est plus un surhomme qui s'enfuit, mais un pauvre amnésique que vous capturerez bientôt. La marque jaune a fini avec le docteur.
Et voyez ce que j'ai trouvé pour achever de vous réconforter. La couronne impériale. Oui, la couronne impériale, rendue par vous à sa gracieuse majesté. Dieu sauve la reine. Dieu sauve la